Both, yeah, me too. Oh, bah, yes. Oh, oui, oui, yeah, we tried. Et puis, il y a un livre qui vient de sortir, un livre d'entretien avec Eugenio Renzi, qui écrit à une étamissière, je crois. Oui. Et qui, voilà, c'est une sorte d'échange. Le livre est en vente aussi. Et ça parle de tous tes films. J'ai l'impression que vous avez fait ça sur la durée. Et j'ai pas eu le temps de le lire. Parce que, Seven years of conversations in different places. Voilà, 7 ans de conversations dans différents lieux. Et c'est vrai qu'on voyage au travers de ta cinématographie. Alors, une biographie très standard. Issue d'une famille sioniste, Avi Moghrabi rompt avec les positions familiales assez tôt. Parce que c'est vrai jusque-là. Il suit des études à l'école d'art de Ramat à Sharon et de philosophie à l'université de Tel Aviv de 1979 à 1982. C'est vrai, je suis ici. D'accord. Quand il débute dans les études cinéma, il se retrouve notamment assistant de Claude Lelouch. Yes. Well, for 10 days. 10 days. Let's not Pourquoi il met chauffeur sur un film de Costa Gavras? C'est vrai ça? Yeah, I was working as production assistant. Assistant de production sur un film de Costa Gavras. Yes. And here, this is Racha Santi, who created the program at Jeu de Pomme, and is an old friend. Racha Santi qui est programmatrice, commissaire d'exposition au Jeu de Pomme, voilà. Et qui est une ancienne amie de vieille amie de David. Vieille amie. Non, c'est l'amitié vieille. Donc, pendant la guerre contre le Liban, Avi Moghrabi devient le porte-parole d'un groupe de soldats qui refuse l'incorporation. Cet épisode lui vaut quelques jours de prison. Il rejoint plus tard une organisation de parents de jeunes gens qui refusent de faire leur service militaire et travaille également pour une autre qui recueille et diffuse des témoignages d'un officiel de soldats. Ça, c'est une partie importante parce qu'on retrouve ça dans beaucoup de tes films, dans Z32 particulièrement. Son œuvre est marquée par ses convictions politiques antisionistes. Il a notamment déclaré « Je soutiens sans ambiguïté l'existence de l'État d'Israël, mais j'estime qu'il ne doit plus être un État juif, mais un État tous ses citoyens à égalité. » Voilà. Then at in the end of the week, there is a carte blanche of films that I have chosen to show. Donc à la fin de la semaine, carte blanche de films que tu as choisi. None of them are in this list because I couldn't find the exact DVDs, but of some filmmakers that I really like that are here also. Voilà, il y a une carte blanche des films qu'il aime, mais aucun des films qu'il a choisi dans cette carte blanche. Mais ici, parce qu'on lui a demandé de faire un top 10, il a fait plus que 10 DVD, il en a fait, je crois, une vingtaine. Et c'est assez intéressant parce qu'on, voilà, ça balaye un peu tous les réalisateurs qui tiennent à cœur. Ça va de Perloff à Chantal Akerman, Ophuls, Le Chagrin et la Pitié, Chris Marker, Taxi Driver de Scorsese, Jean Rouch, on n'avait pas Cocorico, Monsieur Poulet, mais voilà. Ma question c'est, c'est étrange d'avoir un coffret intégral. En général, on fait un coffret intégral quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un arrête, et on dit bon, on va faire un intégral, on veut faire un coffret intégral. This is the signing of the living dead. Coffret signing of the living dead. C'est la signature des morts vivants. Voilà. Ça, c'est de ma faute. Hein. Voilà. Donc, non, mais quel regard tu as, toi, quand tu te retournes, en fait, sur ta filmographie, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te dis? Tiens, comment j'ai évolué? Qu'est-ce que, voilà, spontanément. Look, because I appear in most of the films,
I see two things. One is good and one is bad. Donc, vu qu'il est dans chacun de ses films, dans la plupart de ses films, il s'aperçoit de deux choses, une bonne et une mauvaise. I see that how young I was. Voilà, ben, comme il était jeune. Voilà. And I see, but I also see how much more weight I had. So how more heavy I was. Ah oui, d'accord. Oui, oui. So it's one is good and one is bad. I lost weight, but I gained age. Donc voilà, il était jeune mais plutôt fort. Et voilà, là il a vieilli mais il est esbelte. Yeah, I'm not sure I'm good at having a retrospective look at my work. But I'm very. None of the films in the box. I love all the films in the box, mm-hmm. which means I won't take out any of them. Mm-hmm. Il aime tous les films qui sont dans le coffret, et il en exclurait aucun. Mais on a l'impression que les premiers films, tu étais très en colère. Et que quand on va vers le dernier film, il y a quelque chose de mm-hmm. plus calme, quieter. It's angry, heavy and quiet, heavy. Well, the last film, Dans un jardin, je suis entré, is definitely different from the early films in tone, also in cinema language. Son dernier film, Dans un jardin, je suis entré, est vraiment différent dans la tonalité de ce qu'il a fait précédemment. So, which maybe now to be serious, I not only gained age, but also became a wiser person, maybe. Donc il a pas seulement mûri, vieilli, mais il est devenu quelqu'un de plus sage aussi. And also, you know, all the films before are films that start with the frustration and anger. And this last film, Dans un jardin, je suis entré, is a film of friendship and love. Ses premiers films étaient plus nourris par la colère, la frustration, et son dernier film est plus, s'inspire plus de l'amitié, du lien d'amitié qu'il y a avec cet ami palestinien. לא, במקום להזיז אותי מהג'יל, במקום לבלבל את המוח עם שטח צבאי סגור, תפתחו כבר את השער לילדים האלה שחוזרים לבית ספר, זה מה שאתם צריכים לעשות. כן, אני מרצה לכם. חבורה של אפסים, זה מה שאתם. מי אני שאני ארצה לכם? מי אתה? מי אתה? מי אתה שאתה רוצה לי? מי אתה, תגיד לי? אתה עובד אצלי, אתה חייל בצבא שלי. לא טוב, אני מקבל סקודות. מסתכל עליך, אתה מקבל סקודות. אתה מקבל סקודות החוקי, אתה רואה שהילדים האלה מחכים לחזור לבית ספר. אדוני, אתה לא תגיד לי איך לדבר, ואתה תגיד לי להרים את הטון. תפתח את השער, זו העבודה שלך. שום עבודה אחרת עכשיו לא רואה לך. חוץ מלפתוח את השער. מנוע מדבר? יופי, סוף סוף לא תדבר. לא יורד לרמה שלך. אל תרד לרמה שלי, חס וחלילה. תפתחו את השער, תסתכלו מי אתם. I'm trying to give an impression of a very nice person. Il essaie de donner l'impression que c'est une personne assez gentille. And you show, well, I don't want to say my worst moments because it's a very good moment, but my worst, the appearance of me in the worst way, how shall I say? I don't think it's a... C'est un visage de ce qu'il est dans les pires moments, voilà, dans ces pires moments. So I highly appreciate the person who is shouting there, or what he's shouting about, but it's very hard to see yourself as losing control like this and being so foul language, having such foul language.
Non, mais il apprécie de voir sur l'écran la personne qui s'énerve, qui se met en colère, mais pour lui, de se voir là, dans cet état-là, c'est pas quelque chose qui est très... voilà. Est-ce que tu serais capable aujourd'hui d'avoir le même type d'indignation à un checkpoint avec ta caméra ou tu... Yes or no, I don't know. I don't want to think about. Ouais. Mais on a l'impression que tu vas vers autre chose. On a l'impression que tu vas vers autre chose dans ton cinéma. Yeah, but this is not about cinema. This is it. It's about what happens to you when you meet a certain injustice and you have to react. C'est soi quand on est face à une certaine injustice ou une situation tellement injuste qu'on se sent obligé de réagir. Et maintenant, la situation en Israël, les élections récentes, comment est-ce que toi, comment tu te positionnes, qu'est-ce que tu en penses, des nouvelles d'Israël. Donne-nous des nouvelles d'Israël. No news, and this is bad news. Pas de nouvelles, et ce sont des mauvaises nouvelles. Yes. Ouais. Mais toi, comment tu te positionnes en tant que cinéaste? Parce que là, tu te positionnes clairement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as... Parce que tu es... J'ai vu dans les suppléments que tu étais chanteur. je sais que tu enseignes le cinéma, mais toi, en tant que cinéaste, on t'a connu vraiment comme ça, très actif, activiste. Maintenant, tu as envie d'aller vers quoi, en fait? I'm still a very active person. I'm involved in Breaking the Silence, the organization of soldiers collecting testimonies from other soldiers about their service in the occupied territory. Il est toujours très actif parce qu'il fait partie de l'association Breaking the Silence qui est briser le silence, c'est-à-dire que ce sont ces soldats qui refusent qui refusent de collect testimonies. Qui collecte des témoignages de soldats israéliens. And qui ont servi dans l'armée. C'est le témoignage de leur service dans l'armée. D'accord, mais ils sont plus soldats. Non. Which is and the Z32 that's in the box is Z32 qui est ton avant-dernier film. Is based on one of those testimonies. Qui est basé sur un de ces témoignages. And now nowadays I'm making a new film. About this or with the asylum seekers, African asylum seekers in Israel. Tu es en train de faire un nouveau film sur avec les demandeurs d'asile politique. Demandeurs d'asile politique en Israël, qui sont africains. D'origine africaine. African from Eritrea and Sudan. Et du Soudan. And who are these are people who came for shelter, and the state of Israel doesn't want to give them shelter and puts them in a jail. Ils viennent pour trouver un toit en Israël et ben, on leur en donne pas et on les met à la place en prison. Tu enseignes aussi. Yes. Est-ce que pour toi ton travail d'enseignant et de cinéaste c'est deux choses évidemment étroitement liées? Of course, I couldn't be a teacher if I wasn't a filmmaker, because I teach making film. Donc, je pourrais pas être enseignant de cinéma sans faire des films, parce que j'enseigne comment faire des films. It started as a way to make a living, because my films only cost money; they don't make money. Donc ça, c'est surtout je gagne ma croûte avec en enseignant parce que c'est pas en faisant des films que je gagne ma vie. What do you teach? I teach documentary and experimental cinema. You see that this is a lot of my interest is in documentary and experimental cinema. Il enseigne le cinéma expérimental et le documentaire et sa sélection atteste de ça. At Bezalel Art Academy and Tel Aviv University. À la Clinique Tel Aviv et de Bezalel. Jérusalem. They look documentaries, but they pretend to be documentaries. Ils prétendent être documentaires. But the only proper fiction film I made was my first short, Deportation, which is also here in the box. Mais le premier, la première réelle fiction qu'il a fait, c'est Déportation, qui est son... The only. La really, seule. La seule. Déportation, qui est son premier court-métrage.
The rest of the films are fiction mixed with the documentary, trying to maybe tell something more about reality, but in a different way. Ouais, le reste de sa filmographie est plutôt un mix entre fiction et documentaire qui essaie de dire quelque chose sur le réel, sur la réalité. Voilà. Pourquoi on a envie de mettre ça dans des cases? Fiction, documentaire, I am against it, very much against it, but you need to put, when you organize the films, you have French cinema, American cinema, documentary, and this is what happens everywhere, in festivals, on television. People need to to know, to have a smell of what they are going to watch, so there are different ways of tagging, which I don't know how to get how to win over. Non, je suis pas d'accord avec ça, mais partout on organise des choses en documentaire, fiction, pour que les gens aient des repères. On met des tags, on tag ça, on étiquette ça. Et lui est pas du tout d'accord avec ça. Pour que les gens aient un peu un avant-goût de ce qu'ils vont voir, alors que be brave and put this box in the fiction. Or no, make a special shelf undefined. On passe un rayon indéfini. And let's see how many films will be there. Several of my films have look like journal intime. Beaucoup de ces films ressemblent à des journaux intimes. And I think this option of telling a story, not as a narrative story, but a list, a compilation of experiences, of moments. It's kind of something that I definitely may have acquired from Perlov. Et le fait de faire un film pas de manière narrative mais comme une sorte de compilation de sentiments ou de moments, ça je le dois à Perlov dans sa. And of course, his voice. I'm crazy about his voice. Il est complètement fou amoureux de la voix de David Perlov. Il m'y a touché ton avioma. Voilà, il peut parler comme ça. With a Portuguese accent. Avec un accent portugais. It's amazing. It was. Il est paix à son âme. D'autres questions? Est-ce que vos films sont accueillis et comment ils sont accueillis en Israël? The films are, in Israel are mostly seen on television. They are all co-produced with the help of a small documentary channel. La plupart de ces films passent à la télé et donc sont co-produits par une aide documentaire. And you can sometimes see them in cinémathèques, but they're not released commercially. Mais ils sont pas. In commercial. In movie theaters? No, only in the cinémathèque. Ah oui, d'accord. Yes. Ah oui, donc ils ne passent pas dans les réseaux. C'est ça que je voulais dire. C'est seulement à la cinémathèque. À la télé et en salle, dans les réseaux de cinémathèque. Yes. Précisez bien, dans une petite chaîne documentaire en plus. À la télé. Petite chaîne documentaire à la télé. Chaîne de câble. Mais par la France, est-ce qu'il y a d'autres pays où ils sortent au cinéma? Yes, in France, they normally are released in cinema, in Switzerland. En France, les films sortent en salle, en Suisse. In Belgium, in Canada, French Canada. En Belgique, au Canada, francophone. So, voilà. Ils sont tous coproduits avec la France. Yes, absolutely. Moi j'aurais une question, c'est par rapport à Z32. Dans Z32, vous recouvrez le
le visage de celui que vous interrogez par un masque numérique, ce qui donne une perspective esthétique assez intéressante à votre film. Est-ce que pour vous, l'esthétique a une place dans le documentaire? Est-ce que pour vous, l'esthétique est un enjeu du documentaire ou est-ce que c'est superflu? Is aesthetic important for you in the documentary? Of course. Well, I mean, even when it's rough aesthetics or, you know, handshaking. Même si c'est une esthétique caméra à l'épaule ou une image qui bouge, pour moi, c'est quand même une esthétique. I don't think that I'm busy with making beautiful films. Je m'en comprends pas. Ben, je suis pas préoccupé par le fait de faire une image belle. But of course, whenever you are, you think of capturing an image, you have some vision of what you expect this image to be in its texture. Quand tu captures une image, tu as toujours une idée de ce qu'est-ce que ça va rendre, quelle va être sa texture. So the aesthetics of Z32 didn't start from being uncomfortable with my previous aesthetics. It started because there was an artistic need, there was a real need in the film to conceal the person's face, and this was the artistic solution. Oui, pour Z32, il y avait cette nécessité pour le film. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est... Bah, Avi a donné une caméra à un couple, à un ancien soldat israélien et qui dialogue avec sa petite amie et qui n'arrive pas à se défaire de la culpabilité d'avoir fait des expéditions punitives sur le territoire palestinien. Et en fait, ils trouvent comme technique de recouvrir leur visage d'une manière numérique, ce qui fait qu'on voit leur bouche, on voit leurs yeux, donc on voit l'humain, l'émotion, la peine, tout. Mais en même temps, ça donne des visages très étranges, c'est-à-dire presque dérangeant. Il y a quelque chose de très dérangeant. Esthétiquement, je pourrais pas dire que c'est beau. Il y a quelque chose d'étrange pour moi. C'était ton objectif. Yes. Well, so this was not the starting point of the film. This was the result of wanting to do the film, and otherwise it couldn't be done. Yes. La présence d'une caméra modifie une situation de toute façon. Definitely. Maybe today dans un bon sens ou dans un mauvais sens, yes. mais c'est pas neutre. Il y a pas de. Yes, but today with the endless numbers of cameras that everybody has, I think it's less and less happening. People have lost their shame in front of the camera. Ouais, avec le nombre croissant de caméras qu'il y a de captation, les gens en fait font même plus attention. Sont complètement désignés devant une caméra. But definitely in this period, like when I shot Pour un ciel de mes désirs, 2003, the presence of the camera, of course, was always noticed, and people, even if in an unconscious way, react to the fact that there is a camera there. Mm-hmm. It's like a weapon. It was like a weapon, so it's going again. Non, mais yeah, c'est, on sent. I'm not crazy about this balance between, let's say that if I had a weapon, maybe I could open the gate. With the camera, it was impossible. Non, je disais qu'il y avait, voilà, il y avait deux armes, l'une face à l'autre, une arme et puis une caméra. Et non, c'est quand même pas la même situation. Moi, si j'avais une arme, j'aurais pu ouvrir la grille. Avec ma caméra, je peux pas. Moi, j'aurais une question pour le cinéaste, mais aussi pour le professeur. Je me demandais si vous trouviez, dans le partage de l'enseignement du cinéma avec vos étudiants, s'il y avait une relève un peu du cinéma engagé en Israël. With your students, do you feel that there is a new generation with the kind of active directors? Like not so much. No? Why? Why? It's a matter of generations? I don't know. It's very sad to meet students who are very unpoliticized. Oui, it's everywhere. C'est everywhere. Non, mais il est un peu. Non, il trouve que la relève est pas là parce que c'est les jeunes sont pas très impliqués politiquement. Ils sont pas très politisés, tout simplement. And
Yeah, you know, they want to become artists and to concentrate on themselves. I don't know. You're an artist, but you are also a narcissist. Okay, but I'm a good narcissist. Non, mais les gens veulent, voilà, veulent travailler sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont et s'intéressent pas tant à. I'm a talented narcissist. Voilà. Oui, moi, je suis un narcissiste avant tout. On va s'arrêter là. On va acheter des CD. Donc, DVD, coffret DVD, livre, si vous voulez faire signer par avis, voilà, pas de souci, il est là. Pas jusqu'à. Voilà, qu'on se porte tard, parce qu'après, tu vois. Ouais, c'est bon. Have to do some degas, voilà. Mais vous pouvez aller le voir et puis les coffrets sont et les livres sont dans la caisse. Merci beaucoup d'être venus. Merci. TV following a soldier who's telling farmers to stop working. Is this about the relationship between Avi Mughrabi and the body in cinema? And the what? The relationship with Avi Mughrabi's body and the cinema. No, not that I know. And I had a question because on Avenge, one of my two eyes in the first scene we see following a soldier who's...